Voilà. Bon, voilà, l'antenne a été rendue. C'est mon ami la tondeuse. Et le Alors attendez. balayage, je suis Tac, à tac, tac. 99,4%. Ouais, va falloir décider, mec. Nickel. Message de le underscore sage underscore de underscore Nancy. Votre attention, s'il vous plaît. Oui. Torota77 réclame une anecdote. Ah. Cher. Torota77, Yeah. merci de bien vouloir décliner dans le chat le thème ou le mot-clé désiré. Ah, bah tu me surprends, Torota, mais c'est vrai que le moment est opportun. Eh bien, c'est marrant. Alors, l'idée Et de c'est un l'anecdote. relais de chaîne. Merci. Ah, j'avais même pas J'espère que vu. mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. 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 Alors, merci petit Seb. J'avais même pas vu que c'était moi qui étais ciblé par le relais de chaîne. C'est adorable. Merci tout plein petit Seb. Le tout premier jeu que j'ai fait. Alors, excellente question. Tu vas me mettre dans la nostalgie. Alors, pour vous remettre dans le contexte, je vais essayer de vous trouver des images en même temps sur internet du jeu en question. J'avais 9 ans, si je dis pas de dânerie, c'était l'été, donc les grandes vacances, le pied. J'étais avec ma grande sœur à la maison familiale à l'époque. Et j'avais un bon copain dont je serais même pas fichu de vous dire le prénom parce que ma mémoire s'est effacée, honte à moi. Bon, je te laisse parce que je vais manger et bonne anecdote à tous. Oui, merci, Salut! bisous, merci tout plein, petit Seb, à plus. Merci, merci, bon app. C'était sur l'Atari 2600. Il m'avait prêté l'Atari 2600. Alors, pour les plus jeunes qui nous regardent, voilà, je vais vous donner une idée de la console. Est-ce que je peux vous mettre ça? Oui, non, je vais pouvoir vous mettre ça en plein écran. Bougez pas, attendez. Ouvrir l'image dans un autre onglet. Attendez, que je manipule bien mon OBS. Je vais faire quoi? Je vais faire VLC, voilà, comme si je faisais une promenade. Et je vais vous glisser mon navigateur, ou du moins l'onglet là. Voilà. Voilà, très bien. Vous voyez l'Atari. Oh merde. Non, oui, il faut que je dézoome. Vous voyez, l'Atari 2600, c'est ça comme console. Et mon copain nous avait prêté sa console avec deux manettes, donc je jouais avec ma frangine. Et le jeu en question, c'était un jeu spatial. C'était. Je crois que c'est Stellaris le nom du jeu. Non? Non, Stellaris, c'est un nom récent. Je dis des. Ah non, attendez, bougez pas. Non, 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 Stellaris, effectivement, c'est bien le bon nom du jeu. Alors, attendez. Copier l'adresse de l'image, exactement. Alors, je sors du zoom, je vous mets ça, coller, allez. Voilà! Alors, évidemment, hein, c'est bouilli de pixels pour l'époque. Hein, on avait des écrans de 320 pixels sur 200. C'est. Voilà. Voilà, je peux pas faire mieux en image nette. C'était le jeu là. Alors là, c'est la phase exploration spatiale. Mais il y avait des phases balèzes où le bonhomme était en exploration de surface des planètes. Il y avait des portails dimensionnels et tout. Et je m'engagerais même d'ailleurs symboliquement à vous le faire sur émulateur le jour où symboliquement j'aurai franchi, vous savez, les objectifs de popularité de chaîne, lorsque j'aurai 500 fidèles, les followers. J'ai une petite barre à un moment dans je sais plus quel plan. Et bref, j'ai joué à ce jeu tout l'été, Stellaris, sur Atari 2600 avec ma frangine, et c'est le tout premier jeu vidéo que j'ai fait de ma vie. C'était celui-là. Attendez, il est où mon plan où on voit mon. Bah oui, il est là, c'est le plan là, tout simplement, vous voyez? Je m'étais mis bêtement une symbolique de 500 fidèles, et puis voilà, le jour où on aura atteint cette barre-là, je vous ferai une session de quelques heures, et vous verrez que le jeu est pas évident, parce que je m'étais refrotté il y a quelques mois,
quand justement j'avais retrouvé le jeu. J'avais juste une réminiscence, vous voyez, de nom. Enfin, non, pas de nom, justement. Je cherchais le nom. J'avais une réminiscence d'image que j'avais en tête. Et bah, j'ai procédé comme si j'allais faire un tableau mystère. Je me souvenais que c'était le répertoire de la taille de 2600. Et j'ai écumé les bases de données sur Internet pour retrouver le jeu. Et voilà. C'était Stellaris, le tout premier du nom, qui était... Ah, tu l'as eu aussi ? C'est la première que j'ai eu aussi. Non, Torota, déconne pas. T'es en train de me dire, en fait... que tu as eu le même premier jeu vidéo que moi de ta vie. C'était Stellaris sur Atari 2600. Si tu pouvais me confirmer ou m'infirmer ce propos dans le chat, parce que ce serait énorme comme coïncidence. C'est fou. Ah oui, et Twinsen qui précise que c'était le bruit de sa tondeuse. T'étais en train de te tondre les cheveux. D'ailleurs, il faudra que je fasse de même prochainement. Oui, pardon, je t'ai même pas demandé, tu une scène alors que j'étais en numérique, j'allais dire. En audio, j'espère que tu vas bien. Oui, complètement, je jouais d'ailleurs chez ma grand-mère. Oh, c'est dingue! Ce parallélisme de vie, si je puis dire. L'anecdote est dingue. Oh la vache! Ah, tondeuse de jardin, je crois que c'était tondeuse à cheveux. Pardon, tu une scène. D'accord, d'accord. Eh ben, bande ton tatouage. Eh ben. Oui, donc Torota, tu me dis, ouais, tu jouais chez ta grand-mère. Ah, c'est fou, ça. On a découvert l'univers vidéoludique avec le même jeu. Alors qu'à l'époque, il y avait déjà... L'univers était assez étoffé. Il y avait déjà pas mal de jeux et de consoles. Ah, j'en reviens pas. Alors ça, c'est dingue. Bah, tu vois, t'as bien fait de me demander l'anecdote sur mots-clés. Oui, j'avais une question qui est toute simple, mon cher Tunsen. Savoir si tu allais bien. Comment vas-tu? Et je remercie encore petit Seb pour son relais de chaîne. Il est adorable. Ouais, tu vas bien. C'est cool. Voilà, c'était la question principale qui m'importait te concernant. Savoir si tout va bien. Oui, je suis tout seul comme un ego dans ma... dans mon salon audio, tout le monde s'est déconnecté. Bah, je vais en faire de même. Voilà. Je vais me chercher la... Oui, la tour tout à l'heure, oui, de ce que tu m'avais mis dans la confidence de tes déboires informatiques. Oui, bah bon courage à toi, par avance. Ouais, c'est vrai que c'est pas rigolo quand on doit faire une rénovation, un dépannage informatique. Alors, blablabla. Hein, je sais fort bien blabater, comme vous le savez. Mais je vais déjeuner, j'ai les crocs, il est bientôt 13h, je vais aller donc chercher mon sandwich. Mais vous allez certainement pas me voir en plein écran, mâchouiller devant vous. Loin de moi cette idée, qu'est-ce que je fais? Je vous mets des clips au hasard, je pense que ce serait une bonne idée. Parce que franchement, je vais manger en 15-20 minutes. Je vais prendre mon temps, hein. Je ne cours jamais, 100% plaisir, c'est le week-end. Mais non, pas cap, non, tu ne sais, non, me voir... C'est d'un ridicule. Encore que, tu sais quoi, j'aurais le concept de l'émission C'est à vous sur France 5 que j'aimais bien regarder à l'époque de ses débuts. Tu sais, j'aurais un invité avec une table qui est bien dressée et le plat serait savoureux. Ce serait un concept d'émission. D'ailleurs, je suis certain qu'il y en a qui le font sur Twitch. Mais non, moi, me voir juste moi, c'est d'un ridicule. C'est débile. Je veux dire, autant que je vous propose de me brosser les dents en direct devant vous, quoi. C'est... Non. Là, pour le coup, le plaisir ne serait pas partagé. Des gens qui dorment se filment bien. Oui, je sais, c'est une tendance à laquelle moi je ne céderai pas parce qu'il n'y a aucun intérêt. C'est surtout que vous pourriez constater à quel point je ronfle comme un éléphant, mais je risque de vous faire peur. Bon, bref. On est en train de dévier dans la conversation. Ça ne veut plus rien dire. Torota dit soit des clips, soit un petit marble pour 4-5 courses. C'est pas idiot ta proposition de Bibi, mais je sais pas si tu une scène, tu serais intéressé par les Bibi juste un quart d'heure, 20 minutes, parce que je peux vous mettre ça avec de la musique de fond le temps que je... Oui, ça peut se faire comme vous êtes actif là, si ça vous intéresse qu'on fasse mes muses à 3-4. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Au moins, par défaut, j'ai déjà préparé mon... Pas de suite.
Et que si chacun. Alors, on fera les bibis ce soir. Comme on est samedi, je ferai les bibis ce soir, mais la grosse session. Donc, je vais vous mettre des clips au pif. Voilà, c'est bon, vous en faites pas, c'est décidé. Il faut juste que je remette la main sur les clips dans mon arborescence. Bougez pas, ça va venir, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Oh, si je mettais des clips anciens. Allez, je vais mettre les clips de la saison 1 de 2022. Je vais demander à jouer au hasard dans mon lecteur multimédia qui est À Vidéolan. 14h, je démarre à 14h, mais je sais pas à Attendez. quelle heure je finirai. Je vais peut-être faire un 14, 18, je sais pas. Comment je suis Je sais au pas. hasard? C'est comme Mais ça, ouais, à partir de aléatoire. 14h, je Allez, je pourrais coupe mon micro, je peut-être. pars déjeuner. Bon app pour ceux qui sont déjà à Entre midi table. et 2, là, je vais 15-20 minutes de arrêter clip, à tout de vers suite. midi. Peut-être 13h. Parce qu'à vrai dire, je crois que j'ai rien de particulier en cuisine. Je vais manger froid. J'ai envie de manger froid, là. Vous avez soif ou quoi? Je vais sûrement manger une. C'est ça, SDR. T'as compris, mon nom du perso. Ouais.